bienvenue sur le plateau de Croque Lecture pour la troisième émission de l'année. J'espère que vous avez un petit creux car c'est aujourd'hui que l'on vous sert pour la première fois la rubrique Sushi. Ce ne sont pas deux petits japonais qui viendront vous présenter Peacemaker, mais force est de constater que Jesse et Valentin font plus que l'affaire. Experts en la matière, ils sauront vous mettre l'eau à la bouche. Naomi, quant à elle, va vous replonger dans l'univers magique de Hakom Association en vous présentant le sixième tome des aventures surnaturelles d'Ombe Jasper. Alors, pourquoi attendre? Commençons directement avec elle. Naomi est là et c'est elle qui fait la première critique aujourd'hui. Préparez-vous à voyager dans l'univers envoûtant d'une saga exceptionnelle. Naomi, peux-tu nous faire le point sur Hakom Association? Et nous voilà repartis pour un sixième tome plus que mystérieux de la série Hakom Association de Pierre Bottero et d'Eric Lum. Je vous rappelle que Caroline, la présentatrice du club, avait déjà chroniqué avec Gabrielle les deux premiers tomes. À l'occasion de la sortie du sixième, nous avons voulu revenir sur cette série qui ne cesse de nous étonner. Et oui, quatre tomes déjà sont parus depuis le premier et Jasper et Ombe nous donnent autant de frissons qu'avant. Nous retrouvons la belle stagiaire Ombe sélectionnée pour une mission, repérer avec discrétion bien sûr un certain trafic de drogue organisé par des loups-garous. Elle se voit donc affronter un ancien ami, le trog Erglug, des loups-garous déchaînés et rencontrer un autre loup-garou qui ne la laissera pas indifférente. Quant à Jasper, lui, s'inquiétant de la vie de son ami, va courir à son secours, ne savant pas dans quel voyage il va s'aventurer, un voyage hors du commun. Il va rencontrer le troll Erglug lui aussi, atterrir dans l'île au troll, où il fera une rencontre trollesquement charmante. Il va rencontrer l'ancien magicien Sia, que bizarrement, l'association connaît déjà. Puis à leur grande surprise, les deux stagiaires vont se retrouver pour fêter ensemble Noël. Mais c'est là qu'un drame va frapper l'association. Les individus inconnus et dangereux qui rôdaient déjà autour des jeunes apprentis vont frapper et passer à l'attaque, et cette fois-ci, elle sera fatale. Bouchez-vous les oreilles pour ceux qui n'en sont pas encore là dans leur lecture, car la surprise est de taille. Ombe est tuée lors d'un violent accident. Dans le tome 5, Jasper n'a qu'un seul objectif, se venger pour Ombe, ce qu'il réussira malgré sa solitude. Et qu'y a-t-il de nouveau pour ce sixième tome ? Et maintenant, passons au sixième tome intitulé « Ceux qui dorment dans la nuit », où l'on retrouve encore une fois Jasper, seul. Celui-ci doit faire son rapport à l'association après son combat pour venger Ombe, mais personne n'est présent. Pas de Walter, ni de Mademoiselle Rose. Il attend dans un café, puis il voit trois agents en sortir, qu'il décide de prendre en filature. Il découvre alors qu'ils poursuivent un chaman du nom d'Ochi. Celui-ci est très puissant et les endort dans le métro. Mais Jasper reste éveillé grâce à Ombe qui le suit partout dans son aventure. Il s'y lance seul. Enfin seul, non, car il a créé un sort espion qui va prendre en filature le magicien qui sera accompagné d'Aristide, un vampire. Ce dernier a enlevé Nina, une autre agent stagiaire, que Jasper n'hésitera pas évidemment à aller sauver malgré les dangers. Et qu'en as-tu pensé? Après un cinquième tome différent des quatre précédents, le sixième l'est totalement. Les actions sont moins fréquentes et plus lentes, mais à la fin, vous serez surpris par la chute, si on peut se permettre de le dire ainsi. Mais je n'en dis pas plus. Le style de rédaction du récit principal de Jasper n'a pas changé non. Mais les chapitres sont organisés différemment. Parfois, nous suivons Rose, rue du Horla, au troisième étage, parlant avec un démon enfermé dans un miroir, ou alors au deuxième étage à l'association, gérant les appels des différents agents sur le terrain. D'ailleurs, nous en apprendrons plus à son sujet. Nous avons aussi le droit à des pensées ou des cauchemars, je ne saurais vous le dire, dont ne sait pas qui. Précèdent les scènes de massacres assez macabres, puis parallèlement, dans les autres chapitres, se succèdent les voyages de Jasper. En effet, Ombe est belle et bien morte et d'autres personnages sont en danger. Jasper va suivre un chaman alors qu'il n'a reçu aucune mission de la part de l'association. De plus, les relations vis-à-vis des autres agents vont se modifier. Jasper va se rapprocher de Nina, qui l'aura sauvée alors qu'elle s'est fait enlever par un vampire. Il finira d'ailleurs par devenir son petit ami. De plus, Ombe revient, mais cette fois-ci dans la tête de Jasper, comme vous l'avez sans doute remarqué dans le tome précédent, mais cette fois-ci il aura le droit à plus de réponses qu'il ne l'espérait. On regrette que ce tome soit beaucoup moins trépidant que les précédents. Quand on lit, parfois on s'ennuie.
Heureusement qu'une nouvelle surprise, je devrais dire une mauvaise surprise, nous attend à la fin de ce volume qui, espérons-le, relancera l'intérêt de cette série que nous suivons malgré tout avec plaisir. Waouh, le sixième tome a l'air super! Vous ne trouvez pas? Enfin bon, on change complètement de registre pour laisser place à notre toute nouvelle rubrique de manga, Sushi, et à nos deux nouveaux chroniqueurs. Konnichiwa Jessie, konnichiwa Valentin! Alors les garçons, qu'avez-vous à nous dire sur Peacemaker? Peacemaker est un manga de Minagawa Ryuji, édité chez Glénat. Il comporte 2 volumes en France, le dernier vient de sortir en novembre, et en comporte 6 au Japon. Et Valentin alors, ce manga? L'histoire commence dans la ville de Faden, où tous les habitants ont été massacrés par un groupe de 5 personnes, les Crimson Exécuteurs, sous les yeux de la jeune Nicola qui est l'unique survivante. Ensuite, dans une autre ville, un duel entre Greg et Karlov se déroule. Ce dernier est abattu, donnant la victoire à Greg. Le vainqueur se rend dans un de ses restaurants où il a ses habitudes. Pendant ce temps, un clochard est dépouillé au poker. Ses seuls biens sont un magnifique cold. Greg le reconnaît. C'est celui de Peace Emerson, un célèbre tireur. Dehors, Hunt Gill, un Crimson Exécuteur, arrive avec une personne guidée par une personne ensanglantée. Il recherche Nicolas, que Kyle vient de ramener pour la placer dans un orphelinat. Kyle est un ami de Greg. Pour protéger Nicolas, Greg le défie en duel. Greg tire le premier et touche Hans en plein cœur. Mais celui-ci porte un gilet pare-balles et blesse gravement Greg. Le clochard du restaurant est en fait Hop Emerson, le fils de Peace Emerson. Pour venger Greg, il défie Hans. Il attire l'attention des spectateurs grâce au Spot Burst, un tir multiple consistant à utiliser tous les doigts de la main. Ce talent le transforme en cible pour tous les mercenaires qui essaient de se faire un nom et ceux qui sont mandatés par le célèbre millionnaire Crimson qui est étrangement décidé à l'abattre. Jessie, qu'as-tu pensé de Peacemaker ? J'ai vraiment aimé le manga Peacemaker et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le western est un domaine inexploré par les mangas. Le lecteur découvre un univers imaginaire ressemblant à l'Ouest américain. On y retrouve les duels au revolver organisés comme des paris sur la vie des participants. Les saloons sont bien présents aussi, avec leurs parties de poker. Ainsi, le héros est dépouillé de son argent au début de l'histoire. De plus, l'inévitable scène du braquage de la banque nous met dans l'ambiance. Le héros, Hop Emerson, apparaît au début de l'histoire comme un simple vagabond. Puis, peu à peu, on découvre qu'il est le fils d'une légende, le tireur Peace Emerson. Il se révèle lui aussi être un tireur d'exception, trouvant à chaque situation une technique de tir incroyable. En face, le groupe des méchants, les Crimson Exécuteurs, est un peu caricatural. Il est formé du grand effort, du food service, etc. On pourra regretter que certains de ces personnages soient un peu exagérés. Les dessins sont très réalistes et très précis, se rapprochant de titres comme Villain Saga. Pour les scènes d'action, on trouve de magnifiques doubles pages, véritables arrêts sur image. Cela rappellera aux lecteurs certaines scènes de western. Celles-ci sont à couper le souffle, avec des armes à feu dignes de ce nom. Un dernier point positif concerne les couvertures que je trouve très agréables et qui rappellent les avis de recherche des bandits. En définitive, je pense que ce seinen manga est destiné à ceux qui cherchent une vraie aventure où l'action ne manque pas. Le tout avec des dessins réalistes et de bonne qualité. Une bonne surprise pour une série que l'on n'attendait pas. Et c'est avec ce plat délicieusement japonais que l'on se quitte et se dit à bientôt pour notre 4e émission la semaine prochaine. N'oubliez pas, très prochainement, l'équipe du Croque Lecture se rend au Salon du Livre de Montreuil pour un reportage exclusif. Visite du salon, dédicaces et interviews seront au programme. Allez, bisous à tous les Croque Lecteurs!